Hello YouTube, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir toutes les notifications de ce qui se passe sur ma chaîne. Et pour les anciens, merci de toujours être là. Pour tout le monde, pensez à aller me follow sur Instagram, IamAura, parce que je partage pas mal de nouveautés là-bas, je fais souvent des lives, donc allez vraiment me follow là-bas. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un haul spécial en fait tenue confinement. J'étais là, je regardais dans mes placards, etc. Et je me suis dit, bon bah je vais vous faire un petit haul pour vous donner des idées de tenues à avoir juste en fait pour rester à la maison. Donc un haul spécial tenue confinement. Première tenue, c'est celle que je porte actuellement. Une tenue très simple, vous avez donc un cycliste et par-dessus j'ai ajouté, vous pouvez mettre n'importe quel haut dessus. Là j'ai mis un espèce de crop top pull, j'ai accroché devant, il est ouvert ici. Je vous mettrai pas dans la description là où vous pouvez trouver je pense, parce que ça c'est vraiment des tenues que vous pouvez trouver un peu partout. C'est vraiment juste histoire d'être chill quoi. Donc là, crop top avec un cycliste. Et les cyclistes bah c'est à la mode depuis un petit moment là, donc maintenant vous pouvez vraiment en trouver partout. Celle-ci moi je l'aime bien en fait parce que bah elle est rapide. C'est vraiment en mode hop 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 et ça y est je suis habillée. Je vous propose donc de passer à la deuxième tenue. Pour ma deuxième tenue spéciale confinement, vous avez donc cette combi. Je vous l'avais déjà montré dans un haul spécial AliExpress que j'avais fait. Donc c'est une combi que j'adore. C'est vraiment une combi jogging. T'es hyper à l'aise dedans. Elle arrive. Elle est assez spacieuse. Elle est plutôt bien. Et comme moi je passe toute la journée à la maison, je préfère la mettre en version pantalon. Donc vous pouvez la baisser un petit peu plus. Si vous voulez ça, vous pouvez l'attacher devant. Moi, souvent, j'ai tendance à le mettre comme ça parce que chez moi, il fait une chaleur tropicale. Étant frileuse, j'adore quand il fait chaud chez moi. Moi, j'ai tendance à le porter avec un crop top et je le mets comme ça. De toute façon, avec moi, j'ai l'impression, moins j'ai de vêtements, mieux je me porte. Donc ça, c'est la tenue numéro 2. Je vous propose donc de passer à la tenue numéro 3 de confinement. Tenue numéro 3. Que serait une bonne tenue de confinement sans un bon jogging? Je me recule, comme ça vous pouvez le voir. Alors ce jogging, je l'ai acheté en même temps que j'ai acheté ce haut. Je les ai achetés sur Miss Guided. Si vous cherchez des bons joggings qui font féminin mais sans trop coller au corps, Miss Guided ont des bonnes tenues. Donc j'ai pris ça. Ça fait un petit ensemble, ça fait son petit effet. Toujours pour rester à la maison parce que chez moi, comme je vous ai dit, il fait hyper chaud. Donc voilà. A mountain in my hips don't lie. I'm stretch a faded boy. Hobby traction. Reese love. Kiss at the FIFA perfection. Hey boy, I can see your body moving. Oui, je m'entraîne à faire mes TikTok. Parce qu'évidemment, quand on est à la maison, on est coincé. Et je passe beaucoup de temps aussi sur TikTok. IamAura, allez me follow. Ouais, ça c'était la tenue numéro 3, je pense. Ensuite, passons à ma tenue numéro 4. Spécial confinement. Alors, pour la tenue numéro 4, franchement, je sais même plus. J'ai arrêté de compter, je crois. Une autre tenue spéciale confinement, c'est une tenue très très simple. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis, par contre, alors que j'adore. Je ne sais pas pourquoi je ne le porte pas plus souvent, ce truc-là. Un ensemble, acheté pareil il y a très longtemps à Miss Guided. Je me recule un peu, comme ça, vous pouvez bien voir ce que ça donne. Donc voilà, ça donne ça. Vous avez un crop top avec un cycliste taille haute. Et ça donne ça. Moi, c'est vraiment un truc que je l'adore. Je m'y sens hyper bien, hyper à l'aise. Et voilà. Là, c'est une des idées de tenue que vous pouvez avoir. Acheté il y a longtemps à Miss Guided, mais de toute façon, Miss Guided, ils remettent souvent les mêmes trucs un petit peu dans le même style. Donc, n'hésitez pas à aller voir si jamais vous pensez que vous pouvez trouver votre bonheur là-bas. Je vous propose donc de passer à une autre tenue aussi spéciale confinement. Ensuite, que serait une bonne tenue de confinement sans son legging? Le legging, c'est la base. Tu sais pas comment t'habiller, legging. Tu dois sortir en vite fait, legging. Tu sais pas quoi faire, legging. Pour moi, c'est vraiment la base. Donc le mien, il est archi vieux, archi troué, parce qu'en fait, avec mes ongles, je force pour les remonter. Du coup, j'arrête pas de faire des trous dessus. C'est archi relou. Là, je sais pas si vous voyez, mais genre... enfin bref, vous voyez pas d'ici. Mais j'arrête pas de faire des trous dessus. En tout cas, le legging, c'est la base. Il n'y a rien de mieux pour se sentir à l'aise. Vous trouvez des leggings noirs, gris. Enfin, de toute façon, les leggings, je pense qu'on a tout ça dans nos placards. Et il n'y a rien de mieux pour être à l'aise. Vous avez la flemme, mettez juste votre legging et vous êtes bien. De toute façon, on parle de tenue de confinement.
Personne n'a besoin d'être classe. Après, c'est vous qui voyez, hein. Bien sûr, vous avez envie de vous habiller chez vous, habillez-vous chez vous. Nous sommes qui pour aller à l'encontre? Qui dit aussi tenue de confinement dit grand t-shirt. Alors, ce qu'il y a de bien avec les grands t-shirts comme ça, c'est que franchement, soit tu mets un truc en dessous, là c'est le legging en l'occurrence que j'ai mis, soit tu mets rien parce qu'il est tellement grand que tu peux juste traîner soit en culotte, soit comme tu veux. Moi, j'adore les grands t-shirts, j'en mets souvent énormément pour sortir, pour rester à la maison, pour tout. J'adore ça, je m'y sens hyper bien. Donc, grand t-shirt, legging, ma base en fait. Pour rester à la maison, le mien, je l'avais acheté à l'époque sur I Sew It First, je l'ai en noir, je l'ai en blanc. J'ai beaucoup de grands t-shirts et avant je prenais aussi les t-shirts de Tristan parce que bah, comme il était grand, bah, ça faisait des grands t-shirts sur moi. Grand t-shirt, c'est la base, t'as juste envie d'être à l'aise, t'as pas de soutif, de toute façon moi je pense que j'ai dit ça comme si je mettais des soutifs. Sans soutif, à l'aise à la maison, personne te casse la tête, tu peux faire tes mouvements tranquillement, tu peux faire tes TikTok tranquillement, hop, je vous apprends, c'est assez simple. Hop, 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 punch, punch, rolling, stay focus, après vous faites ce que vous voulez. Why don't you say so? Ti 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 ti. En gros, voilà, grand t-shirt, on adore. Je propose de passer à la tenue suivante. Ensuite, nous avons cet autre petit ensemble jogging pour être à l'aise dans la tesse. Non, je rigole. En gros, ouais, c'est un petit ensemble que j'avais commandé, non, que j'avais reçu à l'époque par Shein. Je vous l'avais mis aussi dans un haul. Pareil, toujours pour chill à la maison, avec la petite veste qui va avec quand vous vous sentez un petit peu frileuse. Voilà, petite veste. Mais en tout cas, ce sont mes tenues, hein. Ce sont mes tenues de chill, mes tenues de confinement. Donc vous faites pour vous aussi, comme ça on voit, on compare toutes nos tenues, savoir si on est toutes dans le même mood, c'est-à-dire confortable et on n'en a rien à faire. Donc ce petit jogging, j'aime bien la couleur, j'y mets bien. Je porte souvent le pantalon avec autre chose, on me voit beaucoup avec le pantalon, mais je porte moins la veste. Parce que bah, vu que je reste chez moi, la veste ne me sert un tout petit peu à rien. Mais j'aime bien parce que bah, je suis à l'aise dedans. La matière, je la trouvais bizarre au début, mais en fait, ça donne bien. Et c'est un de mes joggings vraiment préférés. I'm a savage. Hey. Classic bougie nasty. Hey. Je suis en train de refaire tous les TikTok que j'ai fait. Pour ceux qui ne me follow pas sur TikTok, allez me follow. I am Aura sur TikTok. J'essaie de vous poster 2-3 vidéos, j'essaie un petit peu de vous voyez, faire des vidéos pour votre confinement. Donc pensez à aller me follow là-bas. I am Aura, je compte sur vous. Passons à la tenue suivante. Alors ensuite, dans la tenue spéciale confinement, là c'est quand t'es confiné avec B. Et si par grande chance vous n'avez pas encore décidé de vous étriper ou vous n'avez encore pas décidé de vous séparer, c'est-à-dire que le confinement se passe bien, parce que bon, on connaît que les gens qui sont en couple là, confinés en couple, ça va être tendu pour eux à la fin de ce confinement. Je sais pas si vous avez entendu, mais en Chine, après le confinement, la demande de divorce a explosé. Je dis pas que vous allez vous séparer de votre bébé, hein, mais l'expérience prouve que... Voilà quoi. Donc, là c'est quand vous êtes à bébé. Petit confinement, vous avez comme envie d'être à l'aise, mais en même temps vous avez envie d'être sexy pour lui. Donc vous mettez juste, vous connaissez... les robes basiques que l'on peut trouver, H&M, Zara, machin, toutes ces robes-là, on peut les trouver là-bas. Ça reste des bonnes tenues de confinement. Et donc ouais, la petite robe grise ou noire ou comme vous voulez. Mais en tout cas, je trouve que c'est une tenue sympa pour le confinement. T'es à l'aise dedans. Enfin, et surtout, comme vous la portez chez vous, personne ne vous traitera de péripatéticienne. Une autre de mes tenues que j'aime bien, spécial confinement. Après, moi, je suis toute seule, donc je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un, quoi. J'y allais juste parce que je trouve qu'elle me va bien. Bien évidemment, qui dit confinement dit gros sweat à capuche. Ça, c'est un must to be. Tout le monde doit l'avoir vraiment dans son placard parce que le sweat, c'est la base. Si jamais tu vis avec ton mec, pense à lui piquer ses sweats parce que vraiment, c'est la base. Il n'y a rien de mieux pour être tranquille. Everybody put your hands up, say hey yeah, hey yeah. Donc voilà, gros sweat à capuche vraiment. Il n'y a rien de mieux. Je vous fais mes petits backups. Hein. Comme on n'a plus le droit de musique sur YouTube. Dancing in the hood, in the middle of the wood, in the Mustang, where we sing,
Song with all our childhood friends. Oh, oh, oh. Sweet à capuche, on a dit, la famille. Sweet à capuche. Alors, ça, c'était la partie 1 de mes tenues spéciales confinement. Vraiment, pendant le confinement, je sais qu'on s'ennuie énormément. On a tous envie de sortir. Surtout qu'on dirait que Dieu a décidé de nous envoyer que le soleil depuis qu'on est en confinement. J'ai pas vu une seule journée où il y avait de la pluie, du vent, voire limite de la neige ou même de la grêle. Que il fait beau dehors, pas un seul pet de nuage. Du coup, soyez forts, restez chez vous. C'est vraiment très important de rester chez soi. Parce que là, ce qui se passe, c'est vraiment pas une blague, hein. Priez, priez beaucoup pour ceux qui sont croyants. En tout cas, moi, je prie ma part ici. Même si c'est difficile d'être confinée toute seule, franchement, moi, je bouge pas de chez moi, quoi. J'essaie de faire un effort. En tout cas, ça, c'était donc la première partie. Si jamais on est confiné encore beaucoup plus longtemps, parce que j'entends parler de plus 6, plus 7, plus 8 semaines, je vous ferai une partie 2. Profitez-en pour regarder des films. Je peux vous conseiller, par exemple, La Plateforme sur Netflix. C'est un film espagnol, je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, allez regarder. Le film est mal bizarre, mais au moins, ça vous fait réfléchir. Allez regarder un petit peu. Pensez à apprendre une langue si vraiment vous vous ennuyez. Apprenez la langue des signes, commencez à regarder pour apprendre le mandarin, le japonais, à votre guise, quoi. Ou des langues un petit peu plus simples, du moins que moi je trouve plus simples, comme espagnol. Porque hablo solo un poquito español, es más difícil para mí. De abra, pero entiendo muy bien. You can also, you know, learn how to speak English as well. En tout cas, occupez-vous. Occupez-vous au maximum et évitez de souffrir. Parce que même si vous, vous n'êtes pas malade, vous êtes peut-être porteur et vous pouvez transmettre ça aux gens. Il y a énormément de gens en France qui ne comprennent pas que c'est très important de rester confiné. La famille, vous savez que moi je suis avec vous. Mes DM sont ouverts pour les gens qui se sentent seuls, qui ont envie de parler. De toute façon, bah, je pourrais y répondre, j'ai que ça à faire. C'est pas comme si on était tous débordés, quoi. Et vraiment, j'essaie de trouver des idées de vidéos à vous mettre pour vous faire passer le temps aussi. On est ensemble dans cette merda. On est ensemble, la famille. Sur ce, j'espère que vous me followez tous. Instagram, Ayamora. Allez aussi me follow sur, tout TikTok, Instagram, Ayamora YTB. TikTok, Ayamora. Ceux qui ont House Party, Ayamora aussi, vous pouvez me trouver là-bas. Vous tapez Ayamora, vous me trouvez directement. Il y a quoi d'autre comme réseau où je suis? Twitter, Ayamora YTB. Comme ça, on peut tous rigoler ensemble dans cette période de confinement. On sait que c'est un petit peu la merde pour tout le monde, donc n'hésitez pas, followez-vous. Moi, par exemple, ça me permet de rencontrer d'autres gens sur les applications. J'ai rencontré notamment une artiste hyper talentueuse, elle s'appelle Lia. Je vous mets ici son single que vous pouvez aller donc stream sur Apple, et je pense que c'est aussi disponible sur toutes les autres plateformes. J'ai également rencontré Doff, un autre bon musicien. Franchement, instru terrible, tout ça, je suis vraiment contente. N'hésitez pas à aller checker leur travail, ça en vaut la peine. Tous les soirs là, de toute façon, si je fais une vidéo, j'essaierai de faire un petit peu de la pub pour les artistes que je rencontre ou pour les nouvelles personnes dont je rencontre et dont j'aime le talent, si je peux faire partager un petit peu. Mais vraiment, allez voir ces deux artistes là, ils en valent la peine. J'ai aussi oublié de vous dire, allez voir la page d'une amie à moi qui s'appelle Morgane. Son Instagram, c'est on mange quoi Mo. Allez-y, elle met des petites recettes simples et rapides. Donc pendant le confinement, ça peut grave vous aider. Allez aussi voir cette page-là. C'est pareil, c'est une copine qui va commencer dans le make-up. Donc essayez de lui donner un petit peu de la force. Ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La famille, on est ensemble. On est vraiment ensemble. Merci à tous de me follow, de toujours être là. Et en tout cas, sachez qu'on est ensemble. Peace! Bye! Et on se voit à nouveau sur ma chaîne. I am Aura dans les bacs, ma gueule!